L'idée, moi, j'ai, c'est dans un livre de René Barjavel, qui s'appelle Si j'étais Dieu. Là, il utilise moi-je. Enfin, c'est Dieu, en fait, qui utilise moi-je. C'est un discours entre Dieu et l'homme. Et il utilise ce nom pour désigner l'homme. Donc, du coup, c'est venu à là. Et dans une discussion aussi, où, tiens, c'est bizarre, les gens disent toujours moi-je, 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 moi-je pense, moi, je veux, moi, je suis, moi, je cours, moi, je, etc. Et ben, je disais ça en même temps, puis voilà, ça s'est un peu imposé. On s'est rencontrés sur des concerts et puis on a sympathisé. Je fais les textes, j'apporte des accords, un peu une espèce de mélasse sur ça, puis on met un peu en forme ensemble. Quoi. Et dans les textes, c'est très Graham Allwright, un vieux chanteur français et tout, qui faisait ce qu'on appelle de la contest song, très folk, il a repris Leonard Cohen, etc. Et du coup, bah, lui m'a déjà touché vraiment quand j'étais petit. C'était surtout ces chansons un peu engagé qui m'intéressait, et après Noirdez obligatoire, quoi, voilà. Et musicalement, il y a eu Calvin Russell aussi énorme. Et puis après j'ai essayé de prendre un peu tout, les Doors, pour les ambiances, c'est vraiment, ça vient un peu de partout. En fait. Il y a du roots, il y a du blues, il y a du rock, ce qui donne aujourd'hui le son de moi je veux, quoi. Il y a beaucoup de partage, beaucoup d'écoute, et donc ça donne ça un peu du moi je veux, avec des textes français et puis des influences, dans des influences africaines ou. En même temps, Murguiria, voilà, c'est un peu le résumé de la démarche. Qu'est-ce que moi-je, pourquoi moi-je, qu'est-ce qu'on a à dire sur moi-je. Murguiria résume pas mal ce. Tu vois, en ce moment, peut-être ma nationalité... C'est d'actualité, quoi. C'est une chanson qui fait un peu réfléchir. Moi, je te donne ma nationalité, bien dehors d'une rationalité, corps étranger peut-être, originaire. Pour tous ceux qui s'intéressent, le 25, on fait un clip sur Paris. Il y a dans un bar où on fait un concert, quoi. Et on a besoin de public. On a besoin de toi. Pour le moment, le noyau dur, c'est vrai que c'est JC et moi. Il y a Thomas qui se greffe, il est toujours le. Enfin, quand il peut, il est toujours bienvenu parce qu'il apporte beaucoup de choses. Mais c'est vrai que bon, nous, on tourne souvent à deux. Essayer d'intégrer des petits trucs un peu électro. Ouais, un peu électro aussi. Quand vraiment des petits trucs. Ouais, parce qu'on veut toujours rester quand même dans cette ambiance, on va dire, roots et garder ce style de moi-je. Conscience quand même. On se dit que si ça touche quelqu'un, c'est déjà le monde déjà change. Après, c'est sûr, on souhaiterait tourner de plus en plus, quoi. De jouer, enfin, le plus souvent possible. On a fait des concerts, mais cet été, là, on part en Bretagne. Là où il y a le public, c'est là où les gens sont à l'écoute. C'est vrai que sur Paris, c'est quand même un peu difficile. Si t'as pas un nom, t'es pas reconnu un peu, on rame un petit peu, quoi, toi. Donc c'est toujours bien de jouer dans les cafés, hein, c'est toujours agréable. Mais c'est vrai que, en tout cas, en Provence, en tout cas, quand tu sors un peu de Paris, les gens sont là vraiment pour t'écouter. Et c'est intéressant pour nous, quoi. La licence libre, pour moi, ça s'impose.
J'ai vraiment, dans ma culture, dans ma façon de voir, je suis vraiment pour les artistes d'État. L'artiste, ça fait partie de la culture d'un pays, ça aide à avancer, ça fait avancer le pays, ça fait... Donc pourquoi on ferait payer ça? Après, il reste toujours le support CD, le physique qui est agréable. Ouais. Moi, en tant que musicien, la musique, je la vois sur scène par le live, quoi. Pas par les CD, quoi. C'est clair. La musique, c'est le live. Le CD, c'est une carte postale. No more trouble. D'écouter quoi maintenant, on passe son temps à zapper et on vit dans une société qui va super vite. Donc c'est vrai que sur scène, c'est là où les gens prennent le temps, se posent, écoutent, découvrent. Ouais. Là, ils suivent, vous suivent pas. On a deux dimensions de partage, on partage entre nous et on partage avec les gens qui sont là. Et, bah, venez nous découvrir, osez, osons. www.moijeu.net www.moijeu.net.